Bonsoir à tous. Merci d'être venus à la Grande Bibliothèque et merci à ceux qui nous regardent depuis leur foyer de s'être connectés parce que ainsi va la technologie. Je m'appelle la technologie qui est un allié avec nous. Je m'appelle Marie-Andrée Lamontagne. J'aurai le plaisir de tenir le fil d'Ariane de la rencontre littéraire de ce soir qui a lieu à l'initiative de l'Académie des lettres du Québec en partenariat avec le Festival littéraire international Métropolis Bleue, Bibliothèque et Archives nationales du Québec et le Salon du livre de Montréal. Donc, la rencontre de ce soir est résolument littéraire et vous l'avez compris, elle ne boudera pas la technologie, loin de là, qui se met à notre service pour faire rayonner davantage les propos de ce soir. Et pour qu'ils rayonnent ces propos, je vous invite dès maintenant, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, à renier une certaine technologie qui s'appelle le téléphone portable, qui pourrait émettre toutes sortes de grouillements bizarres, de bruits bizarres pendant la rencontre, ce qui serait bien dommage. Donc, s'il vous plaît, de cette technologie, on va la mettre en veilleuse pendant la rencontre. Donc, c'est un format hybride qui est le nôtre. Il y a un public ici ce soir, assiste à la rencontre à l'auditorium de la Grande Bibliothèque à Montréal et aussi sur le Facebook Live de Métropolis Bleue et de l'Académie des lettres du Québec. Il y a une armada de techniciens là, qui s'affairent depuis tout à l'heure. Tout se passera très bien. Et puis, l'échange littéraire de ce soir est enregistré grâce à BNQ et pourra être regardé en rattrapage sur les chaînes YouTube de l'Académie des lettres, de Métropolis Bleue et du Salon du livre de Montréal. Donc, vous voyez, il y a plusieurs portes d'entrée possibles en rattrapage. Le titre de la table ronde de ce soir, ben, vous l'avez lu dans les communications qu'on a faites. Sujet permis, sujet interdit, les écrivains peuvent-ils parler de tout? Et avant de vous présenter les écrivains qui s'expriment ce soir, je vous propose d'entendre très brièvement deux personnes qui représentent en fait les maîtres d'œuvre de la rencontre. D'abord, en tout bien tout honneur, notre hôte, Martin Dubois, directeur général de la Grande Bibliothèque, que j'invite à venir me retrouver ici derrière le lutrin. Merci. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde plutôt. Excusez ma voix, la fin d'un rhume, ne vous inquiétez pas. Madame Marie-Andrée Lamontagne, vice-présidente de l'Académie des lettres du Québec et maître de cérémonie. Monsieur Laurier Lacroix, secrétaire général de l'Académie des lettres du Québec. Notre animateur, Monsieur Guillaume Asselin. Est-ce que je peux présenter les auteurs? On va les présenter. Vous allez par la suite. Chers auteurs et autrices. Vous pouvez les saluer. Chères spectatrices et chers spectateurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Grande Bibliothèque. Bienvenue aussi à vous qui assistez à cette table ronde en distance en ligne. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et de sa présidente et directrice générale, Mme Marie Grégoire, il me fait grand plaisir de vous accueillir à cette table ronde présentée par l'Académie des lettres du Québec dans le cadre de la vitrine Métropolis Bleue au Salon du livre de Montréal 2021. Cette table ronde porte sur une thématique des plus intéressantes et qui est très actuelle. Comme bibliothécaire, je suis très curieux d'entendre les réponses de nos quatre panélistes aux questions soulevées dans la description de l'activité, dont la principale, les écrivains peuvent-ils parler de tout? Et de façon parallèle, un questionnement similaire a été soulevé dans les médias au cours des dernières semaines au sujet des collections des bibliothèques. Est-ce que les bibliothèques peuvent contenir des œuvres sur tous les sujets? Ceci nous a donné l'occasion de réitérer l'importance pour la Grande Bibliothèque et l'ensemble des bibliothèques d'offrir à nos usagers une grande pluralité d'œuvres de tous sujets, dont certaines, oui, peuvent parfois être controversées. Nous avons ainsi pu mettre l'accent sur le fait que les bibliothèques observent une position de neutralité sur les sujets dont traitent les ouvrages de leur collection. Les lecteurs peuvent ainsi exercer en toute liberté un choix de titre qui les intéresse et se forger leur propre opinion sur leur contenu. Il ne nous appartient surtout pas de porter un jugement sur ce qui est bon ou non de lire. En terminant ce court mot, je profite de l'occasion pour vous féliciter, M. Dawson, à titre de récipiendaire du Grand Prix du livre de Montréal 2021 pour votre livre « Désormais ma demeure ». Oui. Merci.
Alors, pour votre livre « Désormais, ma demeure » paru chez les éditions Triptyque. Un grand bravo. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. L'opération Lingette est passée dans les mœurs. Alors, merci Martin Dubois, donc directeur général de la Grande Bibliothèque. J'invite maintenant Laurier Lacroix, secrétaire général de l'Académie des Lettres du Québec, à venir nous dire quelques mots. L'Académie, je le redis, est à l'origine de la rencontre de ce soir, ce qui en dit long, ce qui témoigne de son dynamisme. Laurier. Bon après-midi, chers amis présents à la Grande Bibliothèque et à celles et ceux qui nous regardent à la maison. En raison de circonstances hors de son contrôle, Émile Martel, président de l'Académie des Lettres du Québec, ne peut être avec nous cet après-midi et je vous le prie de l'excuser. Je me présente, Laurier Lacroix, secrétaire général de l'Académie, et je porte sa voix. En préparation à notre rencontre, Émile Martel a écrit: dans les circonstances actuelles et des derniers mois, l'idée qu'on se retrouve ici tous ensemble est presque magique, sans parler de la présence de tous ceux qui nous ont à l'œil devant leur écran. Et cette complicité entre la Grande Bibliothèque et BANQ, le Festival littéraire international Métropolis Bleue, le Salon du livre de Montréal et l'Académie des lettres est exemplaire. Je remercie nos partenaires de participer à cet événement qui nous rassemble et qui nous ressemble. Une subvention du ministère de la Culture et des Communications finance en partie cette table ronde et nous le remercions chaleureusement. La question qu'on va explorer parle en effet de chacun de nous. Émile Martel écrit encore, et je cite, « Je ne suis pas le seul à me demander au pied de chaque page si j'y suis encore et à me réjouir de la liberté dont je jouis et qui m'a permis d'arriver jusque-là. Je suis curieux d'entendre, continue-t-il, ce que nos amis diront de ce qui les pousse à écrire. Et je suis particulièrement sensible à ce que j'appellerais chez moi le lendemain de la veille, soit la découverte de cette phrase sur l'écran qui est venue hier comme un voisin très intime d'une version de soi-même qui s'est absentée vers une image soudain lumineuse, vers une expression qui chante, vers un langage que je ne savais pas que je parlais. La part de l'inconscient dans l'écriture. » Un cordial merci aux écrivains participant à cette table ronde et à celles et à ceux qui l'ont organisée. Fructueuse discussion. Merci. Merci, Laurier Lacroix. Donc, après la lingette bis et terre et quatrième, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, le format, c'est celui d'une table ronde. Ces gens que vous voyez, qu'on va vous présenter, vont discuter. Ces gens, ce sont des écrivains. Mais vous aussi, du public, pourrez intervenir dans la dernière partie, que vous soyez ici, à l'auditorium de la Grande Bibliothèque, ou devant votre ordinateur. Il suffira d'utiliser la fonction clavardage de votre de la page Facebook. Et Catherine Mélenchon, donc Madame Lingette, ici présente, va relayer vos questions. Nous ne pourrons sans doute pas les relayer toutes, mais on fera le maximum. Et donc, pour l'instant, discutons. Alors, je rappelle le titre, sujet permis, sujet interdit, les écrivains peuvent-ils parler de tout? Et dans un instant, je laisserai le soin au modérateur Guillaume Asselin de baliser le sujet. Mais d'abord, les écrivains qui ont accepté de participer à cette rencontre, vous les connaissez parce qu'ils sont connus. Si vous êtes lecteur et lectrice, vous les connaissez. Mais cette étape de présentation étant toujours un peu longuette, on a décidé de la faire en deux temps. Donc, je vais m'en tenir pour l'instant à un bref résumé, sans la mention des titres des ouvrages que Guillaume Asselin, avec les maisons d'édition, très important les éditeurs, introduira à mesure. Mais déjà, ça va vous donner une idée de l'horizon depuis lequel parle chacun.
Donc, vous voyez un écran au milieu. Sur cet écran, vous voyez Monique Larue, que je salue. Alors, je crois qu'elle nous entend. Oui, elle opine du bonnet, donc elle nous entend. Monique Larue, romancière, essayiste, a publié 6 ouvrages. Elle est membre d'honneur de l'UNEC, membre de l'Académie des lettres du Québec. Elle a étudié la philosophie à Montréal et à Paris, puis elle a obtenu un doctorat de 3e cycle en littérature sous la direction de Roland Barthes. Elle est professeure retraitée du Cégep Édouard-Montpetit au département de français, et des raisons personnelles l'empêchent d'être avec nous à la Grande Bibliothèque, mais elle est avec nous grâce à la technologie. Elle va participer à l'échange et nous la verrons, nous la voyons déjà et l'entendrons bientôt sur ce moniteur télé-technologie, je vous disais. Jean Siwi, tout au fond, poète et romancier, il est Wendat du clan de l'Ours. Il a publié 5 ouvrages, il a enseigné à titre de mentor à une nouvelle génération d'auteurs autochtones dans le cadre du programme de résidence du Conseil des arts du Canada. Et en 2010, il a fondé les éditions Anénorak avec son fils Daniel Siwi. Né au Chili, Nicolas Dawson est écrivain, éditeur et doctorant en études et pratiques des arts à l'UQAM. Il est l'auteur de 3 ouvrages, dont le dernier, on l'a mentionné tout à l'heure, a reçu il y a 2 jours le Grand Prix du Livre de Montréal. Donc, Guillaume Asselin reviendra là-dessus tout à l'heure. Nicolas Dawson est directeur de collection aux éditions Triptyque et est depuis peu rédacteur en chef de la revue Moebius. Stéphane Martelly, maintenant, est née à Port-au-Prince, écrivaine, peintre et chercheure. Elle poursuit une démarche de réflexion, une démarche réflexive sur la littérature haïtienne contemporaine, sur la création, sur les marginalités littéraires, ainsi que sur les limites de l'interprétation. Elle est l'auteur de 3 livres dans le genre de l'essai et de la poésie. Elle est aussi professeure en recherche, création et en littérature de la Caraïbe au département des arts, langues et littérature de l'Université de Sherbrooke. Et un mot, enfin, du modérateur de cette table ronde qui ne va pas se présenter. Donc, je le ferai en faisant une exception à la règle de la double présentation que je vous disais tout à l'heure. Je vais mentionner le titre de l'essai qu'il a publié. Donc, Guillaume Asselin est professeur de littérature au Cégep Marie-Victorin à Montréal. Il a été membre du comité de rédaction des cahiers littéraires contre-jour pendant une 15aine d'années. Il a publié en revue plusieurs essais et textes de création et il est l'auteur d'un livre, Bunkers, l'archipel de la peur, et cet essai a paru chez Nota Bene en 2020. Voilà. Alors, tout cela promet un échange stimulant dont l'horizon, je le redis, sera la littérature tout au long. Guillaume Asselin, c'est à vous. Merci, Marie-André Lamontagne. Merci à vous et à l'Académie de m'avoir confié l'animation de cette table ronde qui ne manquera pas d'être passionnante, j'en suis certain. Nous sommes donc aujourd'hui réunis pour nous interroger sur ce qui nourrit la production d'un auteur, d'une autrice, sur la façon dont une œuvre suit la pente des obsessions dont elle constitue l'expression. Je vous propose d'ouvrir la conversation par un premier tour de table où vous nous entretiendrez brièvement, c'est la consigne que j'ai reçue, sur la matière et l'inspiration qui alimentent votre écriture. Je vous demande de vous limiter à 2 minutes. Encore une fois, c'est ce qu'on m'a demandé. Chacune, afin de nous assurer de pouvoir faire droit aux autres questions nombreuses, toutes plus intéressantes les unes que les autres, qu'appelle cette table ronde. Première question, donc, comment, par quelle voie et pour quelles raisons s'empare-t-on d'un sujet plutôt que d'un autre? S'empare-t-on même d'un sujet ou est-ce plutôt à l'inverse le sujet qui s'empare de nous sur le mode de la hantise, voire de la possession, comme on dit de quelqu'un qui est possédé par une idée fixe? Je peux peut-être adresser d'abord la question à Monique Larue, qui a une œuvre abondante et qui saura certainement nous entretenir de la chose. Et là, on m'a demandé également, donc, avant de céder la parole à chacun, de m'acquitter de la présentation donc, des œuvres en nommant les titres. Alors, permettez-moi, Monique Larue, parmi les romans, je ne pourrais pas tous les présenter, mais quelques-uns, donc, que vous avez publiés tous aux éditions du Boréal, on compte notamment Copie conforme, paru en 90, qui vous a valu le Grand Prix du Livre de Montréal. La démarche du crabe, au,
1996 qui vous a valu le Grand Prix du Journal de Montréal, la gloire de Cassiodore 2002, prix du gouverneur général du Canada, et enfin, pour le volet romanesque, L'œil de marquise, paru en 2009, qui vous a mérité le prix Jacques Cartier du roman de langue française. À ces romans s'ajoutent également deux livres d'essais, également parus au Boréal, un recueil intitulé « De fil en aiguille » en 2001, qui vous a valu la mention spéciale du jury de l'Association des littératures canadiennes et québécoises, ainsi que la « Leçon de Jérusalem » publiée en 2015. La parole est à vous. Bonsoir. Alors, merci de m'écouter de la maison où je suis. Je suis désolée de ne pas être avec vous. Je voudrais ce soir m'interroger sur la place de l'écrivain dans ce problème du sujet interdit ou du sujet permis. Quelle est la différence entre un écrivain, un sociologue, un politicien lorsqu'on parle du sujet? Et je distinguerai, je vais distinguer deux sujets, deux manières dont le sujet peut se poser comme problème, le sujet de l'écriture, de l'acte d'écrire. Le sujet peut d'abord être une étiquette qui répond à la question, par exemple, de quoi parlez-vous dans votre livre? Pourquoi écrivez-vous? Pour qui écrivez-vous? Dans cette conception du sujet, le sujet est en rapport avec le monde. L'écrivain répond à un angle découpé par ce sujet par rapport au monde et il entre dans une conversation où il n'est pas, qui est intellectuelle, où il agit comme intellectuel, mais pas nécessairement comme écrivain. Alors que ce que j'appellerais le sujet de l'écrivain, je dirais que c'est le sujet au sens littéral du terme. Qu'est-ce que le sujet? Au sens grammatical, c'est le point de départ d'un énoncé. Qu'est-ce que le sujet au sens étymologique? Souvent, le sens étymologique nous renseigne sur la profondeur du terme. Le sujet est celui qui est sujet d'un roi, d'une autorité. Il est assujetti. Et il est donc en quête d'une liberté de parole, d'une liberté d'expression. C'est là, je pense, où se trouve le sujet de l'écrivain. Et ce sujet ne lui est pas donné facilement. Ça lui prendra probablement toute sa vie pour le découvrir. Enfin, je crois que là, j'ai dû parler 2 minutes et je ne peux pas m'étendre plus longtemps. J'aurai des exemples à donner plus tard de mon expérience personnelle de ces deux sujets. Donc, à la fois par le livre « La leçon de Jérusalem » qui parle du sujet étiquette et de tous mes romans qui, au contraire, sont fondés sur un sujet beaucoup plus profond et qui semble très banal, dont je vous parlerai plus tard. Merci. Merci, Monique Larue. Je peux peut-être vous passer la parole, Stéphane Martelly. Ah oui, c'est vrai que la question est très vaste. Et puis, en vous écoutant parler, je me disais que si vous me demandez d'abord comment j'écris, je dirais difficilement, mais par nécessité. Je pense que l'écriture vient pour moi d'une nécessité très profonde qui m'habite depuis très, très longtemps. Et c'est toujours un peu par nécessité que je trouve les sujets dont je veux parler, pour m'apercevoir toujours après coup de ce dont il était question. Et très souvent, effectivement, comme vous l'avez dit au début, ou je ne sais pas si c'était Madame Lamontagne, je m'intéresse à ces situations de limite, de liminalité, de marginalité et de la manière dont ces limites peuvent être soit intéressantes, soit au contraire des points de transgression, des points de conflit, des points de rupture, des points d'impossibilité, voire qu'il est intéressant d'aborder comme tel. Voilà. J'écris différentes choses. C'est vrai que j'écris ce qu'on appelle, pour dire vite, des essais, c'est-à-dire des textes de réflexion sur la littérature, voire des études littéraires. J'écris aussi de la poésie, j'écris des textes narratifs illustrés pour enfants qui font tous partie de ma démarche de création, mais quel que soit ce que j'écris toujours de la poésie.
La poésie, c'est vraiment ma langue maternelle, pour ainsi dire. Je vais rappeler les titres plus précisément. Donc, vous êtes l'autrice d'un essai en recherche-création intitulé « Les jeux du dissemblable, folie, marge et féminin en littérature haïtienne contemporaine ». C'est paru chez Nota Bene en 2016. Vos plus récentes publications comprennent le recueil de poésie « Inventaire » que vous évoquiez à l'instant, paru également en 2016 chez Triptych, et le livre poème illustré « L'enfant gazelle » paru aux éditions du Remue-Ménage en 2018. Oui, c'est exact. Voilà, merci. Oui. Nicolas Dawson, oui. Je peux donc rappeler, on en a déjà parlé un peu, mais donc vous êtes l'auteur notamment d'un recueil de poésie intitulé « La déposition des chemins », c'est paru à La Peuplade en 2010, ainsi que d'un roman, auteur d'un roman intitulé « Animitas », on le trouve à La Mèche, c'est paru en 2017. Vous avez également publié « Désormais ma demeure », dont il a beaucoup été question, paru chez Triptych en 2020, qui vous a valu cette année le Grand Prix du Livre de Montréal, ainsi que le Prix de la diversité Métropolis Bleue, Conseil des arts de Montréal. À ça s'ajoute l'ouvrage collectif que vous avez co-dirigé, qui est également paru en 2021 chez Nota Bene, intitulé « Se faire éclater, expérience marginale et écriture de soi ». Pouvez-vous nous entretenir de ces obsessions qui alimentent l'écriture? Je vais répondre à la partie de la question « Est-ce que le sujet vient à soi ou est-ce qu'on choisit le sujet? Mm-hmm. » J'allais au départ répondre « Je ne sais pas. » Puis je ne sais pas si c'est très important de savoir, mais après ça, en réfléchissant, je pense que je l'ai choisi, ces sujets-là, mais parce que, bon, je travaille beaucoup, un peu comme Stéphane, sur les questions de marginalité, les questions liminales, les questions de frontières, mais aussi en écriture de soi. Et dans ma pratique, je choisis les choses dont je dois me réparer. Je dirais ça comme ça. Et je sais que je suis dans un terrain glissant en disant ça, dans le sens où c'est comme si j'embarquais dans l'idée que l'écriture est thérapeutique et on peut dire beaucoup de choses contre ça. Mais je pense que, je vais parler pour moi, dans ma pratique d'écriture, écrire fait partie du processus de réparation comme beaucoup de choses qui sont à l'extérieur de la création. Et donc, les sujets que j'aborde sont souvent des sujets que je pense qui arrivent comme ça. Je vais parler de ça, et puis finalement, je parle un peu toujours des mêmes choses. Et puis finalement, ce sont toutes des choses qui viennent souligner des expériences, soit très banales, ou soit qui sont de l'extérieur perçues comme spectaculaires, mais qui sont toutes des expériences qui, à différents niveaux, viennent s'approcher d'un trauma, ou d'un traumatisme, ou de blessure. Et donc, ouais, je pense que je choisis pas tant le sujet de l'écriture, mais cette anecdote, cet événement qui fait partie de mon récit de vie, auquel j'ai envie de donner des formes littéraires. Et pour moi, la littérature, que ce soit en poésie, en essai, en roman, etc., dans des formes hybrides, c'est une façon de chercher le plus possible des formes pour participer à cette réparation-là, qui ne se termine pas avec le livre, tu sais, qui poursuit son cours dans la vie. Parfait. Merci. Alors, Jean Sioui, je rappelle que vous avez publié en 1997 votre premier recueil de poésie intitulé « Le pas de l'Indien », c'est paru au Loup de Gouttière. Chez Mémoire d'Encrier, vous avez fait paraître « Mon couteau croche », c'est en 2015. « Ayarasquois, j'avance mon chemin » en 2019. « Au couchant de la terre promise » en 2021, et vous avez eu la gentillesse de me remettre le tout dernier. Vous me disiez que c'est il y a deux semaines que c'est paru, aux éditions Anénorak, « Yann Data, l'éternité au bout de ma rue ». C'est ça. Donc, vous parlez de cinq recueils de poésie, mais enfin, en réalité, j'ai publié à date 13 livres qui ont été publiés, donc 8 recueils de poésie, 3 livres jeunesse, et mon dernier, qui est un récit. Mon écriture, comme écrivain, je n'ai pas suivi un chemin régulier. Mon premier recueil, que vous avez nommé « Le pas de l'Indien », ça vient de choses que j'ai d'artisanat, de pensées que j'avais écrites sur des pots, des petites pots d'animaux, des bio, dans un kiosque d'artisanat, que je vendais dans un kiosque d'artisanat et que j'ai présenté par hasard, comme ça, la maison d'édition Le Loup de Gouttière, qui a tombé en amour avec ça et qui en a fait mon premier recueil. À partir de là, j'ai toujours eu un peu cette mission
d'aider les jeunes des Premières Nations. Dans les Premières Nations, la plus grosse problématique, on connaît tous les problèmes qu'il y a là. Moi, je savais, j'avais compris que c'était l'oisiveté. Donc, je me suis donné comme mission aux Loup-Gouttières de créer une collection de livres jeunesse qui pourrait être un tremplin pour les jeunes pour se mettre à écrire les Premières Nations. Donc, on sait que l'écriture pour les gens des Premières Nations, c'est tout neuf. C'était l'oralité qui régnait depuis très longtemps. Donc, c'est juste depuis environ les années 70 qu'ils commencent à avoir des auteurs. Donc, moi, j'ai embarqué dans cette roue-là des auteurs et j'ai essayé d'aider les gens. J'ai fait de la formation avec le Conseil des arts du Canada pour les écrivains en début de carrière, les écrivains autochtones en début de carrière. Et pendant tout ce temps-là, j'ai continué moi-même à écrire, toujours avec un thème. Le thème principal est toujours les Premières Nations. J'explique que souvent, je fais encore beaucoup d'ateliers, puis j'explique aux gens que tant qu'on va garder cette gêne qu'on a créée en nous de ne pas trop parler de se taire, bien, on ne réussira jamais à écrire. Donc, maintenant, je pense que cette gêne-là, on est en train de l'effacer, puis les gens, de plus en plus, ont envie de s'exprimer par le livre. Donc, c'est un peu aussi ma pensée quand j'écris dans mes livres qui est souvent nourri émotionnellement ou nourri par la nature ou nourri par des événements aussi. Donc, on peut voir un peu de tout ce qui se rapproche du monde des Premières Nations. Merci bien. Alors, pour faire écho au descriptif, un des mots-clés qu'on y retrouve, celui de légitimité, j'aimerais vous adresser la question, d'où un écrivain, écrivaine, tient-il ou tient-elle la légitimité d'aborder les questions auxquelles son œuvre tente ou pas de répondre? Faut-il préférablement se limiter à parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vécu? Ou y a-t-il un droit et peut-être même un devoir de l'imagination d'explorer tout le possible jusqu'à s'aventurer dans des zones plus sensibles sur la base de ce qu'on en devine ou en intuitionne? Je ne sais pas si un de vous quatre aimerait se lancer. Mais je pourrais commencer. Oui, si vous voulez. Stéphane Martelly. Ça me ramène un peu à ma première réaction parce que j'ai quand même essayé de réfléchir. Je sais qu'il ne fallait pas se préparer tellement, mais j'ai quand même passé un moment en venant ici à la question posée, quand il était question de savoir si un écrivain peut s'emparer de tous les sujets ou non, ou si un écrivain peut tout écrire. Moi, je pense qu'un écrivain peut tout écrire, mais qu'il ne doit pas écrire n'importe quoi. Belle distinction. Je pense que c'est la première distinction que je ferais. Une deuxième distinction, peut-être une autre association d'idées qui m'est venue, c'est qu'un écrivain peut-être peut tout écrire, mais il doit s'attendre à être lu par tous ou toutes. Ça aussi, c'est une distinction à laquelle je tiens, c'est-à-dire que le tout écrire ne signifie pas que des lectures différentes ne soient pas possibles, que des lectures parfois d'accueil, parfois d'opposition, parfois de contestation et parfois de refus, puis survenir devant une œuvre qui s'avance pour exprimer quelque chose. Et puis sur le n'importe quoi, ça revient peut-être à votre question sur la légitimité. Je pense que la légitimité n'est pas tellement... et là, on pourra discuter, c'est sûr qu'il y a beaucoup de nuances à apporter à ce que je dis, mais la légitimité n'est pas tant sur l'identité de l'auteur que sur sa manière d'aborder les sujets qu'il s'autorise à aborder. Et sur sa capacité même de les aborder avec intelligence et conséquence. Merci. J'aimerais peut-être, dans la même veine, enchaîner sur une citation de Monique Larue. Vous dites ceci, « J'inscris mes convictions et ma sensibilité morale au nombre des contraintes que j'impose à ma création. Un écrivain qui a le désir de dire quelque chose trouvera le moyen de le dire selon sa sensibilité morale. » Il semble que dans l'espace public et médiatique, on en soit un choc des sensibilités. Comment arrive-t-on à arrimer la sensibilité morale qui relève d'une décision individuelle, celle donc de l'auteur qui choisit de s'emparer d'un sujet suivant ses convictions, et le phénomène de réception où on risque, et c'est presque fatal, de heurter d'autres sensibilités qui ne sont pas nécessairement les nôtres? Quelle est la position de l'écrivaine, Monique Larue? Oui.
Si j'ai bien compris, c'était une citation de moi. Oui, oui, dit. Je pense que ça doit être dans la leçon de Jérusalem. Oui, je comprends. C'est ce que je pense qui est la légitimité de l'écrivain, sa position, ce qui lui donne sa force ne peut être qu'une chose, c'est son rapport avec la langue. De toutes les compétences qu'on peut avoir, l'écrivain est celui qui replace les mots dans leur sol et les renouvelle par son acte d'écrire. Et c'est ça son rôle, me semble, dans la société et dans cette affaire des sujets. Donc, je pense donc aussi que tous les sujets, tout ce qui est humain, rien de ce qui est humain ne m'est étranger, comme disait l'autre. Et donc, ça, c'est la devise pour moi de l'écrivain. Il n'y a aucune censure de contenu. Ce qui est la force et le devoir de l'écrivain, c'est de ne pas céder au langage tout fait. Et ça, c'est très difficile parce que quand, les sujets en question sont des sujets qui sont en ébullition dans la société, le langage lui-même devient un obstacle et c'est à l'écrivain à essayer de redonner aux mots leur sens et à les repenser à partir de la langue elle-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Je pourrais reformuler la question pour vous l'adresser, Nicolas Dassun. Notamment, j'ai en tête désormais ma demeure qui se présente comme un récit, un essai. Ma question, y a-t-il des questions trop délicates pour qu'on entraîne sur le mode de la fiction? Des sujets trop sérieux pour y faire entrer l'invention et qui demanderaient à ce moment-là, donc, un autre traitement? Mon Dieu, j'ai jamais pensé ça comme ça. Je pense pas que la fiction soit un terrain miné parler de choses trop délicates. Je pense pas qu'il y a des choses qui sont trop délicates en soi. Je pense que les choses deviennent délicates dans les relations humaines, dans les relations sociales. Et vous disiez tantôt, est-ce qu'un écrivain peut s'emparer des sujets? Déjà, la formulation peut être problématique, là, sans offense, mais je pense pas qu'un écrivain s'empare de sujets parce que là, on a un acte vraiment dominant. De s'emparer de quelque chose, c'est de voler quelque chose, le faire sien, c'est à moi, c'est à personne d'autre. Alors que l'écrivain s'adresse à des gens. L'écrivaine aussi. L'écrivaine s'adresse à des gens, s'adresse aux lecteurs et aux lectrices, et c'est très important, à mon avis, d'y penser. Je pense qu'il y a quelque chose de, à mon avis, vraiment problématique, même très violent, dans la figure de l'écrivain et l'écrivaine qui s'enferme, s'empare d'un sujet duquel il est légitime. Je ne questionne pas la légitimité d'aller parler de quelque chose, peu importe la chose, de s'enfermer et de dire tout d'un coup, parce que je le choisis, c'est le mien, ça m'appartient. Et je ne pense pas à celles et ceux qui vont me lire par la suite. Ce dont je parle ici, c'est de responsabilité. Je pense que c'est très évident que les écrivains et les écrivaines peuvent dire ce qu'ils veulent, peuvent parler de ce dont ils veulent parler, se mettre dans la peau de gens qui ne sont pas, de gens qui socialement dominent, mais je pense que de le faire sans la responsabilité du retour, parce qu'on s'adresse à des gens, c'est là où ça devient un acte de domination, on reproduit la domination. Et donc, c'est pour ça que je ne pense pas qu'on doive penser qu'on s'empare de sujets. Je pense qu'il faut le faire de façon beaucoup plus responsable que ça. Mais après ça, la question de la légitimité, à mon avis, être responsable des sujets qu'on utilise, ce n'est pas penser qu'on est moins légitime de ces sujets-là. Voilà. Très bien. C'est à vous que je vais m'adresser, Jean. Si oui, y a-t-il des sujets obligés qui feraient pendant aux sujets interdits ou tabous? J'aimerais donc vous entendre sur cette question. Vous qui avez dédié votre recueil, le dernier recueil de poésie à la mémoire de Joyce Echaquan, il semble clair à vous lire que vous ne pouviez pas ne pas écrire ce livre, qu'il s'est imposé à vous comme un impératif. Au privilège de porter la parole s'associerait le devoir de témoigner en donnant voix à ceux et celles qui en sont privés? Bon, oui, ceux et celles qui en sont privés. Est-ce qu'on en est vraiment privé ou on veut pas, certains ne veulent pas prendre la parole? Vous savez, c'est très fragile dans le monde des Premières Nations.
il y a encore cette souvenir, cette peur. On a signé bien des traités dans le temps, nos ancêtres, et puis souvent, ça a été à tort parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on traitait. Même encore aujourd'hui, c'est très fragile d'écrire sur bien des sujets parce que pour les Premières Nations, on passe notre vie devant les tribunaux. On est toujours en train d'aller devant les tribunaux pour gagner une cause ou pour présenter un droit qu'on a. Donc, souvent, écrire sur des sujets qui pourraient être dangereux s'ils étaient pris par d'autres avant d'aller aux tribunaux, ça pourrait nous nuire. Donc, ça peut freiner souvent les écrivains des Premières Nations de peur, je parle surtout au niveau historique, au niveau de droit, de dire des choses qui pourraient faire tort à une nation. Mais ça s'élargit beaucoup plus, cette pensée-là. Il y a beaucoup plus d'ouverture maintenant. J'aimerais vous emmener sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, le petit essai que mon fils vient d'écrire qui s'appelle « Indien stoïque ». Il a écrit ça justement parce qu'il était en entrevue avec un organisme autochtone qui lui proposait de faire un travail pour eux autres. Mais dans l'entrevue, on lui demande, dans son écriture, dans son projet, d'être bienveillant envers les Blancs, de ne pas être trop dur dans ce qu'il dira. Donc, on a cet arrière-plan qui, lui, ça l'a choqué, c'est pour ça qu'il a fait l'essai, c'est son essai de colère. Donc, oui, on embarque dans un nouveau monde où on va s'exprimer de plus en plus, mais il y a cette certaine gêne que j'ai parlé tout à l'heure qu'il faut oublier maintenant, qu'il faut passer par-dessus ça. Et puis, les sujets sont tellement larges, sont tellement connus, puis sont tellement demandés maintenant, sont tellement dans la population qu'on doit en parler aussi, parce qu'on voit qu'il y a une nouvelle oreille, des gens qui veulent nous écouter avec la valeur qu'on a, non pas là, maintenant, pas juste au niveau histoire d'Indiens puis de cow-boys, mais maintenant avec vraiment des gens qui sont capables de s'exprimer puis de prendre la parole très sérieusement, très académiquement aussi. Donc, oui, je pense que, comme Autochtone, on doit l'apprendre, cette parole. Le projet MeToo a vraiment aussi donné de l'ampleur, une ouverture à tout ça. Donc, l'écrivain se doit de continuer cette pensée-là, puis de vraiment foncer dans la littérature d'aujourd'hui, puis d'enlever cette peur qu'on pouvait avoir. Fait que l'écriture nous met au monde pour ce qu'on est, puis ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut aussi discuter avec les autres en pleine liberté maintenant. Mm-hmm. Bien, vous m'amenez naturellement à la prochaine question que j'avais en tête, que j'aimerais vous soumettre, qui concerne précisément la place des affects dans l'écriture. Puisqu'à prêter l'oreille au discours du temps présent, on ne peut manquer de noter l'importance de la charge affective, vous venez de parler donc de colère, qui les imprègne et les suscite. Libérer la parole, c'est à cet égard donner voix à l'émotion, qu'on tend souvent à refouler ou à neutraliser dans la mesure où elle trouble la pensée. La littérature aurait-elle précisément pour vocation de porter à la parole les affects, et plus particulièrement les affects jugés négatifs, que la pensée omet traditionnellement de prendre en charge? Nicolas Dawson, vous parlez de dépathologiser les affects négatifs. Je pense que vous êtes bien placé pour en parler. Si les affects négatifs freinait l'écriture et la parole, j'aurais jamais écrit de livre. Mm-hmm. Je plonge dans ces affects-là sans problème. Sans problème, en tout cas. Avec beaucoup de risques, mais je les connais. Quand je dis dépathologiser les affects négatifs, c'est pas tant un bouclier contre le monde médical et la façon dont on médicalise les questions de santé mentale. Je pense que ça a sa place et c'est nécessaire que ce soit là, mais il ne faut pas que ce soit, à mon avis, pour l'avoir vécu, que ce soit
la voix unique, la voix la plus dominante et la voix dans laquelle on se retrouve automatiquement si on accorde trop d'importance aux affects négatifs. Parce que ce faisant, on envoie beaucoup de gens là-dedans, dans ce système-là qui les désubjectivise un peu. Mm-hmm. Et bien sûr, l'histoire nous a montré que ces personnes-là, c'est particulièrement les personnes pauvres, c'est particulièrement les femmes, c'est particulièrement les personnes racisées, etc. Voilà, donc pour moi, les affects négatifs, je pense qu'au contraire, c'est intéressant, c'est même un geste politique très, très radical que de les prendre pour soi, de les célébrer, de les accueillir et d'en faire, de leur donner des formes qui débinarisent justement les affects, qui débinarisent l'affect positif, c'est-à-dire joie, rire, réussite, succès, ta-ta-ta, et de l'autre côté, les affects négatifs, tristesse, deuil, colère et tout ça. Je pense que cette binarité-là nous fait beaucoup souffrir. Et je pense que c'est de binariser ça qui est un frein à l'écriture. Mm-hmm. Moi, au contraire, de les débinariser, de jouer avec ces affects-là, mm-hmm. est devenu le moteur. On peut, simplement pour que ce soit clair pour tout le monde, donc désormais ma demeure, c'est un compte-rendu, un récit d'une traversée à la fois difficile et transformatrice de la dépression. Il y a cette transmutation, on pourrait dire alchimique, qui s'opère. Est-ce que, je vais me permettre de relancer, est-ce qu'on peut dire qu'écrire, au final, c'est un peu, ou au moins en partie, faire médecine de ce que la médecine refuse ou néglige de prendre en considération de ce point de vue-là? Je ne sais pas. Ce livre-là n'a pas été écrit contre la médecine. Puis, ça a été écrit aussi, le processus d'écriture a commencé bien après l'expérience. Mm-hmm. Puis, ce n'est pas un livre de réussite. Ce n'est pas un livre « J'ai réussi ma dépression » ou « J'en suis guéri mm-hmm. » ou « Sans vendre de punch, mais je vous le vends ». La dernière mm-hmm. phrase, c'est quand même « C'est ici que je m'effondre mm-hmm. ». Donc, ce n'est pas du tout un livre avec une pente. Il y a un regard quand même assez critique sur un système qui est englué dans les protocoles, qui est englué dans les formulaires. Puis la façon dont nous-mêmes, on a été conditionnés pour considérer la santé mentale, les problèmes de santé mentale comme des problèmes d'abord, mais aussi comme des choses à compartimenter. Ici, c'est le psy, ici, c'est l'espace de l'acupuncture, ici, c'est l'espace de la médication. Ici, c'est l'espace du médecin et ces choses-là ne se relient pas. Et donc, comment est-ce que je peux être un sujet, justement, pour utiliser un autre sens de ce mot-là, mm-hmm. comment est-ce que je peux être un sujet entre ces espaces-là qu'on sépare et qui, séparer les espaces de cette façon-là, c'est de la folie. Et j'utilise mm-hmm. le mot fortement, je choisis ce mm-hmm. mot-là. C'est mm-hmm. de la folie que de se séparer comme ça et de ne pas pouvoir avoir une suite, une relation entre ces espaces-là. Comment on fait un récit de soi? Lorsqu'on n'arrive pas à se relier dans les divers espaces qui nous désubjectivisent, qui nous divisent. Fait que c'est un peu plus ça, ce livre-là. Donc, je ne sais pas si c'est pas contre la médication, mais plus pour essayer de créer un récit dans lequel tous ces récits-là se trouvent. D'où la forme hybride qui s'impose de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, forme hybride qu'on retrouve chez vous, Stéphane Martelly, dont la démarche de pensée se nourrit précisément des contacts de l'affect au voisinage des expériences de la folie et de la marginalité, on l'a dit tout à l'heure. Donc, ce dernier ouvrage qui se présente sous la forme hybride d'un essai en recherche-création vise à allier la théorie au travail de l'écriture proprement littéraire. Alors, il y a une rencontre entre, c'est un petit peu le sens de ma question, dire la colère, la douleur, la dépression, la peine, la folie, le trauma, comme vous le faites d'ailleurs chacun à votre manière. Est-ce que ce n'est pas une manière d'éduquer la raison? C'est ce que j'avais en tête, pas seulement donc un système, mais la raison au sens traditionnel du terme, le rationalisme, au contact du sentir, dont il s'agirait de faire un allié plutôt qu'un adversaire de la réflexion, encore une fois, débinarisé, et faire dialoguer ce qu'on tend à mettre dans des cases séparées. Vous dites vous-même que ce livre-là est d'une certaine façon un acte de naissance par rapport à une pratique antérieure où vous compartimentiez vous-même ce qui est de l'ordre de la théorie, ce qui est de l'ordre de la création. Et là, tout à coup, c'est imposé, j'imagine, au contact de ce sujet de la folie, la nécessité de penser les deux ensemble. À quoi vous avez ajouté même une pratique picturale, puisque vous faites de la peinture et que c'est pour parler de la folie, il a fallu aussi la rendre visible à travers ce médium-là. Oui, il y a tellement d'échos, en fait. Depuis tout à l'heure, j'écoute et j'ai envie de réagir, mais je vais peut-être commencer par, en effet, mon essai, où j'avais tenté,
où j'avais voulu parler de la folie comme une sorte de pointe extrême de la marginalité, parce que la dernière fois que j'avais écrit un essai, c'était sur un poète qui avait été taxé d'hermétisme, donc une poésie très, qui avait l'air un peu inaccessible, et puis c'est, finalement, c'est cette inaccessibilité prétendue qui m'intéressait le plus. Et donc, le travail sur la folie, c'est un peu dans la succession de cette pensée-là. Et tout de suite, pour m'apercevoir que ce n'est pas un travail que je réussirais à faire si moi-même, je n'essayais pas de créer une écriture qui ne serait pas transparente, qui se refuserait à la transparence, qui mettrait un peu en œuvre son propre propos. Et donc, quand j'ai décidé de travailler sur cette question de la folie dans la littérature haïtienne contemporaine, ça a été en même temps le long et difficile travail de trouver cette écriture qui pourrait mettre en acte ou mettre en œuvre ou mettre en action un peu cette pensée de la folie, précisément pour ne pas se situer de l'autre côté, un côté où je serais parfaitement en sécurité dans mes élaborations théoriques et puis regarder la folie un peu de loin, mais pour la mettre en pratique même dans mon travail d'écriture. Mmh. Et puis la peinture venait un peu servir à continuer cette contrariété de la langue limpide en proposant quelque chose qui n'était pas de la langue du tout, hein, qui était vraiment une forme de création très immédiate, où encore une fois, il ne s'agissait pas de regarder de l'extérieur, mais de se mettre soi-même en action et soi-même en risque et en danger, qui est un élément que je crois de plus en plus dans ma réflexion, un élément presque essentiel et presque discriminant pour parler de création. C'est-à-dire que pour moi, quand je pense à la création et à ce qui se dit de la création et à tous les discours autour de la création, la notion du risque, pour moi, devient presque déterminante pour savoir s'il y a eu une œuvre ou non. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui permet que la personne qui se positionne en position d'auteur, d'autrice, de créateur, créatrice, joue quelque chose d'elle-même et ne se tient pas à distance de manière surplombante pour regarder le monde. Donc, quand vous avez parlé d'affect au début, en parlant du temps présent et puis des affects qui semblaient circuler, moi, ma pensée, c'était toujours de dire, mais qu'est-ce que serait une littérature sans affect ? Pour moi, la littérature, précisément, met en travail et en œuvre des affects. Peut-être, à certains moments, ces affects sont plus visibles parce que ce sont des affects qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le large discours social. Mais une littérature qui serait chirurgicalement distante d'elle-même et puis pouvant examiner un peu son propos comme une sorte de rat de laboratoire, je ne sais pas si ce serait encore pour moi de la littérature. À la limite, ce serait quelque chose qui n'aurait pas grand-chose à voir avec la création. Non, ma question, en fait, c'était justement que le rôle de la littérature, c'est de porter ces effets-là à la parole. Oui, j'ai l'impression. Là où, dans un discours, disons, général, médiatique et tout, on est dans plutôt l'hygiénisme des représentations. C'est où tout il s'agit. Ça, voilà, exactement. Oui, tout à fait. Donc, et encore avec cette idée, parce qu'en écoutant aussi M. Sioui tout à l'heure, cette idée que quand on parle de liberté et de légitimité, ce ne sont pas toutes les voix qui ont toujours été entendues. Voilà. Et donc, quand certaines voix s'élèvent, on est un peu surpris, mais peut-être à élargir notre compréhension de ce que la liberté veut dire serait la meilleure chose. D'ailleurs, c'est une passerelle, celle de la folie qui se manifeste d'une œuvre à l'autre. Jean Sioui, on lit au couchant de la Terre promise les deux vers suivants. « Je préside l'Assemblée des fous pour ne pas être qu'un simple homme. » Est-ce que vous pourriez donc nous éclairer sur ce que vous entendiez? Comment vous expliquer? Je veux m'identifier, je ne veux pas m'identifier à un savant, je veux plus m'identifier à quelque chose d'ordinaire. Moi, ce qui m'instruit, ce qui m'enseigne, c'est plus quelque chose de la nature, c'est plus un petit animal, c'est plus... je suis assez fou pour entretenir une grande conversation avec un arbre ou avec un écureuil qu'avec une grande théorie qui n'a pas de sens, en fin de compte, pour moi, qui n'a pas de sens, ou que je ne serais pas capable de suivre parce que je suis un homme trop ordinaire qui est inspiré par toutes les choses de la vie. Est-ce que c'est pas une différence, justement, entre le savoir qui est un peu toujours distancié et la sagesse qui consiste précisément à être en lien direct avec ce dont on baigne, notamment la nature? C'est quoi la sagesse, en fin de compte? La sagesse, on essaie de la définir souvent d'une façon très intellectuelle, mais pour moi, la sagesse, elle nous entoure, elle est partout. Moi, quand je suis le plus sage, c'est quand je suis sur le territoire, dans la nature, avec les animaux,
quand je suis éloigné des grands bruits ou des grosses constructions que j'ai vues tout le long en m'en venant ici à Montréal. Donc, mais les Montréalais aussi. Ben, Québec aussi, là, c'est parce que ça me frappe parce que j'arrive et j'ai vu plein de constructions. Mais aussi, l'Assemblée des fous, c'est les gens aussi. Dans mon dernier livre de récits, je parle beaucoup de mon monde, de mon vécu quand j'étais jeune. Et puis, je parle qu'un de mes grands... Un de mes grands amis, ou un héros pour moi, c'est l'alcoolique du village, parce que je l'aimais beaucoup. Donc, pour moi, l'Assemblée des fous, c'est ces gens-là aussi qui m'entouraient. Je parle beaucoup, je me suis permis, c'est la première fois que je fais ça, c'est un peu dans le thème de même de nommer des gens dans ce recueil-là, des gens avec leurs histoires, avec leur folie, mais leur beauté aussi, leur grandeur dans la folie. Donc, je préside l'Assemblée des fous, donc je veux m'identifier, je veux être parmi ces gens-là, puis même peut-être inférieur à tous ces gens-là de qui on se moque, mais qui sont beaucoup plus grands que bien des gens peuvent l'être. Donc, c'est un peu comme ça que je peux expliquer mon Assemblée des fous, qui, je pense que si on regarde autour de nous autres, elle est très vaste, cette Assemblée-là. Si on... Merci. Je vais me tourner vers vous, Monique Larue, pour la prochaine question. L'art est indissociable du choc salutaire qu'il vise à produire afin de nous arracher à l'étroitesse des idées, des valeurs, des représentations usuelles pour nous introduire à des façons alternatives de percevoir le réel et de vivre l'existence. À l'ère du trigger warning qui commande de prévenir le lecteur, l'auditeur ou le spectateur de ce qui, d'une œuvre, pourrait le choquer, l'art a-t-il encore la possibilité de secouer les esprits, les sensibilités au risque de blesser ceux et celles qui en font l'expérience? Ne pourrait-on pas affirmer, en paraphrasant Simone Weil, que qui a peur des blessures doit aimer autre chose que la littérature? Et je pense notamment à, si vous me permettez de vous citer, à un passage où vous dites « L'écrivain peut et doit déranger, lui qui est une figure clé pour bâtir la conscience critique de la société en changement. » Ça, c'était dans le jardin de Henshu. Ben oui, je suis évidemment... tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit et j'ai entendu plusieurs fois, on a parlé de mise au monde, de naissance. Monsieur Sioui a dit que l'écriture nous met au monde, et c'est vrai. Et je dirais pour ma part que la mise au monde est un sujet qui est lui-même un sujet extrêmement tabou. Aucune mise au monde n'a été vraiment racontée par les femmes, ou enfin ça a été fait très rarement. La mise au monde est toujours un acte violent, mais un acte violent sans méchanceté, qui nous permet de dissocier même la violence et la méchanceté. C'est un acte qui concerne absolument tout être humain. Et l'écriture est une mise au monde comme une naissance. Et dans ce sens, je trouve que le sujet de l'écriture et le sujet de la naissance sont les mêmes, si je peux dire. Et c'est pour ça que l'écriture elle est vitale pour ceux qui la pratiquent. Et pas seulement, enfin, elle est aussi vitale que la naissance. Et la naissance, être au monde n'est pas quelque chose qui se fait sans affect. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre non plus du social. Être au monde est quelque chose qui est de l'ordre de l'expression. Ça nous ramène à cette fonction du sujet assujetti qui doit... assujetti par l'existence même et qui doit chercher son souffle dans la parole. Et ça, c'est le geste, je pense, de toute la littérature. Et c'est ce que j'ai cru entendre dans la parole de chacun des participantes que j'ai entendu ce soir. Stéphane Martelly, dans votre essai auquel je reviens, le corpus auquel vous intéressez place au centre de la démarche de création l'expérience de la catastrophe, précisément. Donc, ce choc-là qui, en même temps, donne naissance à une œuvre. Oui, mais ce n'est pas un choc qui s'adresse vraiment directement à une communauté ou à un ensemble de lecteurs.
La catastrophe dont je parle dans mon œuvre, c'est une catastrophe littéraire à laquelle j'étais amenée à penser. Et puis, vous voyez, c'est intéressant, en fait, de partir de là pour répondre à votre question. Parce que quand moi, je travaillais cette notion de la catastrophe dans la littérature contemporaine haïtienne, pendant que je menais cette réflexion, il y a eu le séisme du 12 janvier. Mmh. Et donc, la réalité est venue rattraper un peu cette pensée. Et puis là, qu'est-ce qu'il fallait en faire ? Comment continuer cette pensée sans tenir compte du fait qu'il y avait de vraies personnes qui, effectivement, avaient vécu une catastrophe massive dont elles subissent encore aujourd'hui les effets. Et ce n'est pas anodin, et ce n'est pas banal, et ce n'est pas non plus quelque chose de trivial que de mener une pensée et d'avoir le courage d'une pensée, si je peux me permettre de dire ce mot-là, qui s'essaie et qui traverse un ensemble de soubresauts et de heurts pour penser à son objet, pour finalement revenir à la littérature et de penser qu'il y a des moments dans une œuvre littéraire quand elle est grande, et puis j'assume un peu cette notion de valeur en littérature, où elle indique son échec possible, où elle indique sa limite possible et où elle s'y confronte. Et puis là, je pense que ce serait important quand même de revenir à votre question parce qu'il y a comme un soubassement qu'on n'a jamais encore abordé directement de sujet permis, sujet interdit. Tout à l'heure, vous mentionniez ce terme un peu galvaudé de trigger warning. Je crois qu'il est très important de voir derrière ces réclamations et derrière ces refus certaines communautés qui accèdent finalement à la parole, ou du moins qui ont toujours eu la parole, comme vous disiez tout à l'heure, mais peut-être qu'ils n'étaient pas entendus, et qui marquent une limite et qui marquent un refus qu'il ne faut pas nécessairement lire du point de vue de l'affect, mais du point de vue tout à fait politique de ne pas accepter de recevoir une sorte de violence. Ça, je pense que c'est une idée très importante. Et l'idée aussi de subversion, parce que, encore une fois, dans une conception plutôt classique de la littérature, on a tendance à associer choc, violence et subversion, alors que pour moi, il n'y a pas de subversion quand l'expression de la violence s'adresse encore une fois aux mêmes personnes, est effectuée par les mêmes personnes, envers les mêmes personnes. Au contraire, on est dans la répétition. On est dans la réitération des ordres qui existent déjà, qui simplement réaffirment leur droit de tout dire, leur droit de prendre toute la place, leur droit de dominer tous les corps, et surtout les corps qui ne leur ressemblent pas. Et quand on est dans la réitération, pour moi, on est dans l'opposé de la création. Donc, vous voyez, j'aimerais retourner un peu cette pensée vers vous, précisément parce que la création, pour moi, c'est de proposer autre chose, et non pas de redire la même chose qu'on a toujours dite. Peut-être, Nicolas Dassun, vous évoquiez donc la dimension réparatrice de l'écriture. Il y a toute une importance croissante que prend notamment l'éthique du care, ce qu'on appelle comme ça, donc, on s'emploie dans toutes sortes de milieux à façonner une société, disons, plus hospitalière. Et donc, alors, la littérature, dans cette perspective-là, est assignée la mission de guérir, de prendre soin, comme ce dont l'époque a le plus besoin pour les raisons que l'on a dites. Ma question, et là, c'est une réaction à des propos de Kevin Lambert qui écrit un texte dans le collectif que vous avez publié, qui revendique, donc du point de vue de la minorité qu'il représente, l'éloge du potentiel disruptif de la littérature en opposition, disons, à une conception hygiénique et morale, c'est-à-dire qu'il s'en prend un peu à ce que lui appelle la critique des représentations, où on plaque une grille morale pour essayer de juger de l'acceptabilité d'une œuvre. Donc, il la pose avec des mots qui sont quand même assez, si je peux me permettre, donc, les livres que je vénère sont bien souvent des diamants noirs, des textes qui embrassent la douleur, la souffrance, l'exclusion dans toutes leurs forces disruptives, qui me détruisent sans m'offrir aucune promesse de réparation, qui retournent ma pensée contre elle-même, qui l'amène vers des territoires immondes et amoraux, ouverts avant tout par leur forme singulière et monstrueuse. Alors, ma question, c'est... le souci de soi, de l'autre, dont on se fait une obligation ou un idéal, disons, dans l'optique du cœur, est-ce qu'il n'entraîne pas à renoncer à la dimension, disons, abrasive de l'écriture qui est constitutive aussi, autrement dit, du potentiel disruptif, voire dysphorique, qui s'attache à la littérature? Ne faut-il pas également tirer les ressources nécessaires pour arriver à étreindre la réalité en sa rugosité, au risque de ne plus savoir nommer ce qu'une morale de la bienveillance jugerait recevable? Dieu. L'exemple de Kevin Lambert, sans insulte, est un mauvais exemple à mon avis parce que Kevin, dans son texte, parle de qui est choqué par ces textes. Ce sont des bourgeois blancs, hétérosexuels, traditionnalistes, conservateurs.
et qui sont choqués par la description d'une sexualité qui n'est pas la leur, qui est une sexualité queer, une sexualité parfois un peu violente mais consentante, etc. Et donc, c'est vraiment... ici, c'est l'inverse du choc dont on parlait tout à l'heure. La littérature vise à choquer et doit déplacer des gens. Ce type de discours-là, ouais, OK, ça existe, mais c'est émis par des gens qui n'ont pas subi des violences, qui ne sont pas celles du choc esthétique, qui sont des violences politiques, des violences réelles dans leur propre vie, dans leur famille, des blessures profondes, sociales, politiques. Et donc, il ne s'agit pas de la même chose. Et donc, c'est pour ça que je trouve que cet exemple-là est un peu... est un peu drôle parce que la littérature, bon, on parle de Kevin, là, allô Kevin, l'écriture de Kevin ne manque pas de bienveillance et ne manque pas de care. Et la bienveillance et le care, c'est quelque chose qui choque vraiment les gens en littérature. Qui choque, c'est intéressant. Oui, vraiment, parce qu'on n'est pas habitué. Mm-hmm. J'ai l'impression que ce qu'on entend par choc, c'est genre de la provoque. T'sais, on va provoquer la bienséance. T'sais. C'est pas du tout la même chose lorsqu'on parle de la provocation ou du choc que d'autres personnes vivent lorsqu'elles sentent qu'il y a des personnes qui appartiennent à des groupes minorisés et qui sentent qu'elles reproduisent des violences qu'elles ont vécues dans leur propre vie. C'est pas du tout le même choc. Je pense qu'il y a vraiment un regard un peu bourgeois dans ça. Le care, donc comme j'ai dit, ouais, le care puis les questions d'affect choquent beaucoup les gens. J'ai commencé en répondant tout à l'heure en disant « je sais que j'entre dans un terrain glissant quand je parle de réparation » parce qu'on va dire que, bon, la littérature réparatrice, la littérature, l'écriture ne devrait pas être thérapeutique. Et ce discours-là qu'on entend, ce refrain-là que moi j'ai entendu durant toutes mes études en littérature, la littérature ne devrait pas être thérapeutique, les psys sont là pour ça. Ça, c'est quelque chose qui choque les gens. Oui, elle peut être thérapeutique. L'écriture, elle peut faire partie d'une thérapie à l'extérieur de la clinique, à l'extérieur de la relation avec le psy ou avec les amis. Ça peut être ça aussi. Mm-hmm. Moi, dans une des thérapies que j'ai suivies, ma psy, elle me disait « écrivez vos sentiments et tout ça ». Et pour moi, j'étais comme « dire ça à un écrivain, c'est un peu dur ». J'écris déjà, j'ai un rapport à l'écriture qui n'est pas thérapeutique et je me suis entendu dire ça, puis je me suis dit « c'est pas moi qui dis ça ». C'est un conditionnement qui dit ça. Et en fait, oui, l'écriture peut être thérapeutique, c'est juste que pour moi, l'écriture, il y a tout un soin esthétique, il y a toute une responsabilité. Tandis où Mme Larue disait cet engagement dans le langage. T'sais. Effectivement, cet engagement-là peut être très, très lourd lorsqu'on est dans un contexte de thérapie clinique où on veut se sortir de tout ce qui nous fait honte. T'sais. Et la honte peut intervenir dans l'écriture lorsqu'on écrit des phrases qu'on trouve pas belles, par exemple, ou qu'on trouve un peu ringarde ou un peu cliché. T'sais. Et donc, c'est pour ça que pour moi, je me disais, non, c'est pas ça, l'écriture. Mais l'écriture, ça peut être aussi ça. Et ça peut devenir un outil dans un projet qui, lui, va être pétri de questions esthétiques et tout ça. Une des premières choses qui choque, c'est ça. Mm-hmm. Et donc, voilà, après ça, je n'embarquais pas dans la question des trigger warnings et tout ça, parce que ce n'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder. Pas de problème. Donc, Jean Sioui, vous écrivez « Je suis celui qui dérange ». Donc, il y a cette volonté, finalement, de... le choc, on peut l'entendre de toutes sortes de façons. Hein. J'ai bien parlé de choc salutaire, où, finalement, il s'agit de sortir de représentations usuelles et donc critiquer aussi toutes sortes de représentations que vous appelez donc tout à fait bourgeoises ou ce qu'on voudra. Donc, il ne s'agit pas nécessairement donc, de situer le débat dans un sens ou dans l'autre. Quand vous dites, de votre point de vue précisément, « je suis celui qui dérange », vous revendiquez la position notamment du trickster, qui est précisément traditionnellement dans la mythologie celui qui vient contester l'ordre établi, celui qui vient, l'équivalent du Joker dans le jeu de cartes, hein, Jack of all trades, qui est capable finalement de prendre toutes les postures et de briser les règles du jeu, ici transposé sur le plan du jeu social. Je ne savais pas si je devais écrire « celui qui voudrait déranger okay. », mais j'ai choisi « celui qui dérange » parce que il y a des résultats, pas à cause de moi, là, je ne vais pas prendre le nom de ça, mais il y a beaucoup de gens de Première Nation qui ont écrit depuis un certain temps, depuis que j'écris, puis qui sont très... qui dérangent, vraiment, qui disent les choses, puis qui dénoncent les choses. C'est des styles, chacun son style. Et puis c'est très bien que ça soit arrivé, qu'aujourd'hui on puisse voir ça, cette écriture-là, chez certains auteurs qui sont vraiment très engagés. Mais moi, mon style est plutôt celui qui dénonce des choses, qui dit des choses,
mais d'une façon à apporter une réflexion. Je vais aborder plein de sujets, tous les sujets des Premières Nations, ou même du monde en dehors des Premières Nations, de la nature, de n'importe quoi, mais d'une façon réflexive pour que les gens apportent leur point de vue, leur conclusion à tout ça. Je ne me sens pas l'autorité de dire bon, c'est ça la vérité, c'est comme ça, il faut vous penser comme ça, il faut vous marcher comme ça, mais j'essaie de donner des pistes de réflexion pour que des gens, parce que les gens, le monde, même nos lecteurs, sont tellement occupés à plein de choses qu'ils lisent pour se divertir. Mais à travers ce divertissement-là, j'aime bien que ça laisse une piste à une réflexion à un moment donné, qu'ils reviennent sur une pensée ou sur un bout de texte, puis qu'ils disent, ça va beaucoup plus loin que le petit bout de phrase qu'il a dit, puis qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie, tout ça. Donc, les gens sont intelligents, et puis c'est cette intelligence-là que j'essaie d'éveiller, de travailler avec. Donc, oui, j'espère que je dérange beaucoup de monde, autant l'écrivain que le lecteur. Très bien. Sur cette question de vérité que vous évoquiez, il y a une longue tradition associée à la littérature au jeu du semblant, de la simulation, voire de la dissimulation, du mensonge. Or, on observe depuis quelques années un changement d'éthos qui, à l'opposé de cette vision, semble privilégier les valeurs de vérité et d'authenticité. En font foi le goût pour l'autofiction, l'approche documentaire ou même l'essai, qui revendique une subjectivité ancrée dans le réel de l'expérience comme moyen privilégié d'accéder à l'essentiel. La fiction, c'est ma question, serait-elle entrée dans une nouvelle ère du soupçon qui accorderait préséance aux témoignages et aux reportages sur l'invention et la fabrication? Et je me tourne vers vous, Monique Larue, qui, dans la leçon de Jérusalem, observait précisément que le mot « fiction » se trouve aujourd'hui en ballottement, que l'œuvre est souvent de plus en plus abordée sur le mode de l'entrevue, du reportage, et lue de plus en plus selon les lois de la véracité, où on demande à un auteur de départager pour le public la part de réalité de la part d'invention, ce qui consiste à défaire finalement ce que le roman essaie de faire, mêler l'observation à l'invention. On éprouverait à l'égard du récit, à nouveau, la méfiance d'un Platon à l'égard de l'impureté des mélanges. Alors, est-ce que vous pouvez développer là-dessus? Ben oui, c'est un grand sujet pour moi. En vous écoutant parler, il m'est venu à la mémoire la raison pour laquelle je suis un écrivain. Je me rappelle très bien, quand j'avais 2 ou 3 ans, que ma mère m'a dit « tu mens ». Je disais quelque chose et elle m'a dit « tu mens ». Si vous connaissez un peu les enfants, vous savez qu'à 3 ans, on est menteur. On ne fait pas la différence entre la vérité et la fiction. Je l'ai vérifié 10 fois auprès de mes enfants et de mes petits-enfants. Donc, je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça que je suis devenue écrivain. Et je crois que j'écris des romans pour qu'on me croit, et donc pour être menteuse, ou enfin pour trouver la vérité dans le mensonge. Et là, au moment où j'ai fini d'écrire mon 6e roman, je me rends compte que partout au monde, bon, on fait plus ça, inventer des personnages, et on parle d'autofiction, etc. Ça ne me dérange pas plus qu'il faut, parce que pour moi, je suis plutôt au passé composé dans tout ça. Je n'ai pas une œuvre à bâtir ni à commencer. Mais j'ai réagi très fortement à ce contexte. Et pour moi, il y a dans cette volonté de revenir à soi, à la fois une démarche que je considère être même la mienne, c'est-à-dire, par exemple, Colette, l'écrivain Colette, elle a écrit des centaines de romans, enfin, d'histoires et tout, et à la fin de sa vie, elle a cessé d'écrire des romans, elle a parlé d'elle-même, parce qu'elle se sentait encore menteuse, je dirais, par rapport à... Et donc, il y a aussi dans cette position de l'autofiction une censure de la fiction, une censure de l'imaginaire, une censure du besoin de ne pas parler de soi pour parler de soi.
Et ces deux tendances sont en conflit en ce moment, et c'est bien ce qui est intéressant d'ailleurs dans la littérature contemporaine, en tout cas dans ce domaine propre du roman et de l'autofiction. J'y vois, comme vous, si je me fais bien comprendre, à la fois une censure et une libération. Et ça, c'est le paradoxe même de ce qu'est l'évolution de la littérature, il me semble. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que fait. Je dis là. Absolument. Absolument. Je vais passer la parole à Nicolas Dawson, qui vous parlez donc de la peur de créer un objet qui ne dit pas la vérité. C'est dans Désormais ma demeure. Est-ce que vous pouvez donc développer là-dessus, sur cette peur-là, qui était celle d'un... Monique Larue parlait aussi dans son essai de... C'était la position de Roland Barthes, hein, qui disait que je ne pourrais jamais écrire de roman parce que j'aurais trop peur de mentir. C'était une position éthique. Quand j'ai écrit ça, c'était une position éthique, c'est-à-dire je vais le dire en anglais parce que c'est l'expression qui me vient, de « pay my respects » à l'expérience, que d'honorer, ouais, l'expérience vécue. Et je sentais que cette expérience-là méritait la rigueur de la construction d'un récit qui n'essaie pas d'être spectaculaire et qui n'essaie pas d'en jeter. Et de devenir un truc qui dit un peu « regardez-moi, regardez-moi ». Mais est-ce qu'un roman, c'est nécessairement spectaculaire? Bien sûr que non, puis c'était pas contre le roman non plus. Tu sais, ce livre-là a été publié à la collection Queer, qui est une collection qui refuse de mettre un genre littéraire au livre qu'il publie. Puis c'est génial. Mais j'aurais pas été si mal à l'aise que ça qu'on écrive roman. Mais en même temps, c'est un récit, puis c'est aussi un essai. Toutes sortes de choses, fait que je dis aux gens, décidez, c'est vous qui décidez, puis ça ne me dérange pas. Mais c'est comme une relation éthique à l'expérience vécue, mais qui ne veut pas dire un respect de la vérité, qui veut dire plutôt un respect de la manière dont on construit le récit, qui n'est pas nécessairement un mensonge, ou en tout cas qui est un mensonge, qui sait qu'il est un mensonge. Qu'on construit tel que mensonge et qu'il y a comme un pacte avec les autres, ou en tout cas, je ne vais pas utiliser ce mot-là parce que je ne veux pas parler de Philippe Lejeune, mais plus comme une convention avec les autres de ce que j'écris ici a cette rigueur-là, a ce respect-là. Je ne veux pas dire ce qui est écrit ici est vrai, ce n'est pas ça du tout, mais c'est vraiment, il y a ce respect-là du récit tel que vécu et du processus d'écriture d'un récit à partir d'une expérience vécue. Après, ce qui est vrai et faux, sérieusement, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais est-ce que ça ne s'accorde pas au fait que, et c'est très intéressant, que la plupart des références, sinon toutes les références que vous donnez, sont essentiellement des essais, l'essai s'imposant comme une forme hybride, précisément, où on a un certain rapport à la vérité qui ne soit pas ni celui, disons, d'un savoir qui parlerait d'autorité et qui n'est pas non plus celui, disons, du roman qui, sans se faire spectaculaire, fouille dans une autre direction. Ouais. Vous dites vous-même la difficulté que vous avez eue à trouver des essais sur la dépression et qu'il a fallu écrire, finalement, l'essai que vous auriez peut-être aimé lire, ou en tout cas... Ouais, j'avais pas de mal à trouver des essais sur la dépression. J'avais du mal à trouver des essais sur les dépressions écrits par des personnes non hétérosexuelles ou des personnes non blanches parce que je m'étais trouvé avec une liste très, très longue de ces petits essais-là. Puis, c'était pas juste une question d'identité. C'était aussi une question de voix et d'affect, comme on disait. C'est-à-dire que je cherchais des essais, non pas qui racontaient mon histoire, même s'il y a un peu de ça, mais des essais qui racontaient plutôt, qui allaient chercher des affects d'expériences de marginalisation. Fait que c'est ça, c'est un peu pour ça que je cherchais ces essais-là. Mais oui, pour répondre à la question sur les essais, c'est-à-dire que je suis allé chercher surtout des essais par instinct, pas parce que je me leurrais, parce que je pensais que les essais allaient me dire la vérité. Mais l'étape suivante, après avoir écrit ces essais-là dans Désormais ma demeure, c'était d'écrire des autofictions, c'est-à-dire d'utiliser, il y a le mot fiction dans autofiction, il ne faut pas l'oublier, d'utiliser les codes de la narration, les codes de la fiction
pour raconter la dépression autrement que par ce vocabulaire, ou en tout cas ce langage qui est celui qu'on considère comme celui de la vérité, disons, qui est celui de l'essai. J'ai fini d'écrire ce livre-là en m'amusant, littéralement, là, comme un enfant, en m'amusant comme un petit fou, avec les codes de la fiction, avec toutes ces parties qui s'appellent « Sortir de la maison ». Donc, c'est aussi tout un processus de revenir à la fiction par le détour de l'essai. Merci. Alors, notre table ronde touche déjà à sa fin. Dans quelques minutes, nous nous tournerons vers notre public en salle et en ligne pour accueillir les questions. Alors, avant de se faire, j'en pose peut-être une dernière sur la question de l'engagement de la parole. Donc, le militantisme qui se déploie actuellement sur quantité de scènes plaide du côté de la littérature pour une écriture engagée. Prendre la parole constitue un privilège qui, aux yeux de certains, implique une responsabilité sociale, on en a parlé, et politique, dont il faudrait savoir s'acquitter. La question, comment engager la parole et missionner l'écriture, si je peux me permettre l'expression, sans les instrumentaliser à des fins susceptibles d'en miner la souveraineté? Autrement dit, comment faire œuvre politique sans faire l'œuvre de la politique? C'est un peu la grosse problématique que j'ai parlé tout à l'heure. Exactement. C'est d'écrire des choses qui peuvent nuire à la politique, à tous nos revendications, nos procès, tout ça. Donc, je pense que ça dépend. Ça dépend des sociétés, ça dépend où on vit, ça dépend de qui on est par rapport à qu'est-ce qu'on veut faire. Je ne veux pas écrire, je veux écrire pour dénoncer, je veux écrire pour dire des choses, mais je ne veux pas écrire pour nuire non plus. Il viendra un temps où je pourrai peut-être élaborer mon écriture, aller plus loin dans un temps propice. Puis, aussi, ça m'a beaucoup amusé tout à l'heure, là, je veux revenir là-dessus sur le fait de vérité. C'est drôle parce que j'ai pris la peine dans mon dernier livre d'écrire que ce n'est peut-être pas tout vrai. C'est à vous autres de savoir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai dans ce écrit-là. Puis moi, je ne vous le dirai pas. Mm-hmm. Donc, prenez selon ce qui vous plairait à vous de voir comme vrai. Mm-hmm. Est-ce que je suis vraiment le petit gars qui a tiré des oiseaux à carabine à plomb? Bien, vous déciderez si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Donc, je me suis beaucoup amusé dans cette pensée-là de laisser ce choix-là. Mais pour revenir à la question très sérieuse que vous avez dit, non, pour moi, pour chez nous, en tout cas, la ligne est très mince. La semaine dernière, justement, il y a quelqu'un qui a passé une émission de radio puis qui a dit des choses sur notre histoire qui étaient fausses, des choses qu'on combat, qu'on dénonce depuis longtemps. Donc, je pense que il l'a dit. Il ne faut pas le jeter dehors de notre communauté, de notre nation, parce qu'il a dit ça, mais on a une responsabilité, un devoir d'apprendre aux gens la vérité qui ils sont. Donc, l'écriture peut servir aussi à ça, à éduquer notre propre monde aussi. Monique Larue, vous voulez intervenir? C'est une question que vous avez beaucoup fouillée. Je vais essayer, on me dira si on aura le temps ou pas. Oui. On vient de parler du roman et de la question de son dépassement par l'autofiction. Mais ce que je veux dire, c'est que le roman, dans son histoire, a été justement une invention de la littérature pour parler de politique. Mmh. On ne se sent pas de la politique. Mmh. Et quand on lit l'œuvre de Balzac, de Stendhal, etc., c'est ça qu'on lit. Comment traiter de la politique en littérature. Alors, c'est un de mes grands deuils au sujet du roman, et c'est ce que je voulais juste ajouter à ce sujet. Bien. Je vais peut-être Est-ce ajouter qu'on... quand même... Stéphane Martelly? Oui, j'aimerais bien répondre un peu à la question, moi aussi, avant que... Je vous en prie. Ça m'intéresse quand même beaucoup. Quand vous avez parlé de cette tension possible entre littérature et engagement, pour moi, le véritable engagement, en fait, de mon point de vue, de ma pratique personnelle, le véritable engagement de l'écriture est effectivement par le langage, mais pas comme un effet de style, pas quelque chose qu'on dit comme une parade pour faire semblant qu'on ne fait pas de la politique alors qu'on en fait de manière très forte quand on le nie. C'est vraiment cette capacité de la littérature de proposer d'autres imaginations. Pour que ce ne soient pas les mêmes imaginations de notre monde qui se reproduisent à l'infini, mais qu'on ait l'espoir possible de penser, d'imaginer, de voir autre chose. De façonner les représentations, puisque tout passe par des représentations. Les ouvrir à d'autres possibles. Oui, tout
Voilà. Donc, on va passer à la période de questions, à la fois dans le public ici, à la Grande Bibliothèque, et en ligne. Catherine, est-ce qu'il y a des... Il n'y a pas encore de questions en ligne, donc je vais me tourner vers le... J'invite les gens, évidemment, à s'emparer de leur clavier. dans le public, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? On a assisté à quelque chose là, de très intéressant et de très fouillé, hein, qui nous éloigne du bruit en surface qu'on peut entendre sur la place publique sur le sujet de la liberté de l'écrivain. Oui, je vois mal. Est-ce que vous, la personne qui veut parler veut se lever? Alors, votre question s'adresse peut-être à quelqu'un en particulier, ou je vois que Stéphane Martelly a envie de réagir, non? Si vous voulez. Merci pour votre question. J'aime bien ce que vous avez signalé comme double, peut-être, intention ou double travail dans l'écriture, à la fois s'adresser à ce qui a eu lieu, aux souffrances et aux douleurs qui ont eu lieu, mais en même temps articuler peut-être déjà autre chose. Tout à fait, je suis bien d'accord avec vous. Et en fait, en vous écoutant, ça me faisait penser encore une fois au texte de Kevin Lambert dont vous parliez. C'est un texte très paradoxal, le texte de Kevin Lambert. Il est intéressant parce qu'il est paradoxal, parce qu'au moment où Kevin Lambert nomme qu'il est important pour lui de lire des littératures qui lui font violence, sa parole comme sujet surmonte sa violence pour en faire autre chose. Précisément. Hein? On ne reste pas au moment de la réception de la violence, on est déjà dans l'articulation d'une écriture qui reprend le pouvoir, finalement, sur sa violence. Donc, il y a cette complexité dans l'écriture qui peut permettre cela. Alors, à ce moment, on est dans une écriture qui permet le mouvement, par opposition à une écriture qui fige les positions. C'est toute la question de la fonction. Je ne sais pas si ça vous répond. La fonction cathartique, hein? La catharsis, c'est précisément ça aussi. Mais oui, de remettre les choses en mouvement. Ouais. Tout à fait. Ouais. Oui. Monique Larue, vous voulez intervenir? Non, je ne veux pas intervenir. Je ferme mon micro parce que j'ai la grippe et je tousse. Mais je n'ai pas entendu la question qui est venue de la salle. Alors, je vous laisse le soin d'en débattre. Oui, mais il y en aura peut-être d'autres. Et puis, de toute façon, on en aura peut-être aussi pour vous. Alors, questions, commentaires, réactions? Oui, je vois une main qui se lève. Allez-y, madame. Mm-hmm. Oui. Je vais loin pour enlever mon masque. Mais c'est dans la continuité de l'intervention de madame, cette question de pluralité, il y a cette phrase qui a été prononcée pendant la discussion, « Je suis celui qui dérange », qui est à penser, il me semble, à la fois comme, on dirait qu'il y a comme un projet, mais il y a aussi l'état, il y a la littérature qui fait ça, il y a des textes par leur existence, et qui dérange pas parce que leur sujet n'est pas noble, ils dérangent parce qu'ils choquent, parce qu'ils questionnent l'establishment, on parlait de la bourgeoisie un peu choquée, etc. Mais de penser, d'entendre cette affirmation-là, c'est à la fois comme un projet, je suis celui qui dérange, qui sème le trouble, mais je pars notre existence parfois.
tout à fait. Oui. Oui. C'est très difficile de ne pas l'entendre juste comme une question, de simplement l'entendre comme une affirmation. Cette polysémie autour de la phrase. Voilà. Donc, c'était un commentaire plutôt qu'une question. Mais c'est un bon commentaire. Comment vous recevez ce commentaire? Alors, quelqu'un veut réagir? Oui. Vous savez, celui qui dérange... Par exemple, pour donner un exemple, vous savez, c'est la réconciliation. On parle beaucoup de réconciliation puis de pardon. Dans mon livre, je dis, bon, ben vous me dites pardon aujourd'hui, vous allez me dire pardon encore demain, vous allez me dire pardon encore dans 100 ans. On dit toujours pardon, mais il n'y a rien qui change. Ça n'a pas changé entre les deux pardons. Donc, si jamais ce livre-là se rendait sur le bureau du premier ministre ou des autorités, bien, peut-être que je dérangerais ces gens-là et qu'ils diraient, bon, ben, ils ne sont pas fous, hein, ils voient bien qu'on demande pardon, mais qu'en fin de compte, on ne pardonne pas, on demande pas vraiment pardon parce qu'on ne fait rien. Donc, est-ce que ça peut déranger? Probablement pas, parce que c'est juste une goutte d'eau dans un océan, mais peut-être que ça peut déranger, peut-être que ça peut faire son chemin. Donc, moi, quand je parle de celui qui dérange, bien, c'est à tous des niveaux comme ça, plusieurs niveaux comme ça, où peut-être que je pourrais déranger quelqu'un, que ce soit juste par hasard, qui reçoit le livre, ou une population, une communauté tout entière. Voilà. La question de la relation aussi, tu sais, être quelqu'un qui dérange qui? Quand même, il y a quelqu'un qui dérangeait, là, on parle de qui? Puis, il y a des corps qui dérangent, il y a des groupes de gens qui dérangent juste par leur existence, comme tu dis, comme vous dites. On est des amis, c'est pour ça que je dis toi, comme vous dites. Mais il y a aussi des gens qui utilisent ce discours-là pour dominer, c'est-à-dire... Il y a une complaisance dans le dire « Ah, moi, je suis quelqu'un qui dérange. Moi, je suis bien provocateur. Mon existence provoque les gens. » Puis finalement, ça ne provoque personne de se dire ça parce que finalement, ça devient... c'est complaisant. Ça peut devenir une posture immobile, un monolithe. Je m'enracine là, je ne bouge plus de ça. Et donc, ça fait qu'on s'attend à être dérangé par... tel auteur ou telle autrice. Et on ne l'est pas vraiment, honnêtement. Et on ne l'est pas vraiment parce qu'on s'y attend. « Oh, je suis bien dérangé. Maintenant, je peux aller manger parce que je me suis bien amusé. » Ça, ce n'est pas vraiment dérangé. C'est vraiment tout à fait le contraire. C'est un détournement de ce mot-là. Et donc, c'est qui a le luxe d'être dérangé de cette façon-là et qui n'a pas le luxe d'être dérangé de cette façon-là. Et lorsque cette personne-là est vraiment dérangée, c'est de la violence. C'est une souffrance. Ce n'est pas « je vais aller manger après », c'est « après, je ne sais pas si je vais être capable ». Parce que je shake vraiment, hein, excusez-moi l'expression. Et donc, quand on dit « moi, je dérange les autres et j'écris ceci pour déranger », je pense qu'il faut aussi se dire comment est-ce que moi, je me dérange en écrivant ceci. Comment moi, je me déplace. Parce que sinon, on tombe dans une binarité et on tombe dans un rapport d'affrontement qui est une dynamique de guerre, finalement. Si on ne se dérange pas soi-même en voulant déranger les autres, c'est-à-dire on ne se bouscule pas, on ne se déplace pas, on ne se décentre pas, ben on est encore en train de surplomber. Ça, pour moi, ce n'est pas de littérature. Et c'est là qu'on tombe dans un récit qui est, en tout cas, dans une posture d'écriture qui est dominante, là, et qui est endoctrinante même. D'autres commentaires, questions? Il y a le micro qui va se promener parce qu'on me dit que les gens n'entendent, et les gens du public n'entendent pas, les gens, je veux dire, à la maison, n'entendent pas les questions ou vos commentaires. Donc, le micro va vers vous si vous levez la main, si vous faites signe. Et puis, ça va permettre aussi à Monique Larue, là où elle est, d'entendre les réflexions parce que c'était intéressant de les entendre. Alors, questions, commentaires? Moi, j'ai envie... Oui, non? Moi, j'ai envie d'en poser une à Monique Larue, parce que tout à l'heure, depuis un moment, on parle, puis tout au long, ça a traversé aussi l'échange, violence, la position de surplomb. Et puis même Nicolas Dawson a remis en question le mot « s'emparer d'un sujet » où il voyait un acte prédateur. Monique Larue, vous avez dit, moi, c'est un peu au passé composé, c'est-à-dire je ne suis pas en train de... Mon œuvre est
pas derrière moi parce qu'elle est en train de se faire aussi, mais enfin, vous avez des choses derrière vous, vous avez réfléchi à la littérature. Est-ce qu'on assiste en ce moment à un changement de paradigme, comme on dit, de manière savante, par rapport à l'écrivain, par rapport au statut de l'écrivain, à la verticalité ou à l'horizontalité de la lecture, de l'écriture, du rapport à la littérature? Mais je pense que oui, on assiste à une transformation de la place de l'écrivain, bien manifestement. On assiste toujours, ça a dû toujours être comme ça, mais en ce moment, on assiste à une difficulté pour l'écrivain de prendre sa place et de déranger. Déranger, et comme vous l'avez dit, Nicolas Dassoun, est quelque chose qui dérange vraiment. Pour moi, ce qui dérange, là, c'est un enfant, par exemple, qui fait du bruit. Il dérange, et il le fait pour vivre, pour exister, tout simplement. L'existence dérange, c'est dérangeant. Et donc, je pense que l'écriture doit... Et elle va trouver comment, parce que l'écriture n'est pas justement transitoire. Elle est toujours ce même rapport entre un sujet et un besoin de dire quelque chose qui ne peut pas être dit. Et ceci demande une violence. Et je crois qu'il faut prendre la violence comme ce qu'elle est, quelque chose qui provoque un changement, qui casse, comme disait Kafka, la hache qui casse la mer gelée en nous. C'est ça la violence de l'écriture. Et ce n'est pas une affaire de morale. Et la plus grande violence est peut-être celle qu'on fait à ce qu'on a... Ce dont on a parlé tout à l'heure, au care, je n'aime pas ce mot-là. Non, non, non. Je ne trouve pas qu'il met... À la position réparatrice qui doit être la nôtre maintenant et qui est celle de l'écriture, mais c'est qui est celle aussi que nous devons avoir en tant que collectivité planétaire face à la crise écologique que l'on connaît et qui est une violence. Et donc, on doit avoir un rapport à la violence qui n'est pas morale, qui est un rapport nécessaire de l'humanité à la violence. Et ça, c'est le rôle de l'écrivain pour moi. Voilà. Bien, merci. Commentaire. Oui, je vois une main qui se lève. Alors, le micro va vers vous pour vraiment qu'on entende bien ce que vous pourrez dire. Alors, et il est désinfecté, ce micro. Oui. Ben, la question s'adresse plus particulièrement à Monique. Bonjour, Monique. Je ne sais pas si elle me reconnaît. Je suis un ancien de ses collègues, et Frédéric Julien. Et à l'expérience très précise qu'elle a vécue là, d'avoir été attaquée sur un essai qu'elle avait fait il y a quelques années, en 1995, si mes souvenirs sont bons. Et je lance la question en même temps un peu à tout le monde, mais après avoir lu cet essai, là, où tu essaies de te réconcilier avec l'expérience, puis essayer donc de poser un regard là-dessus. Donc, juste pour tout le monde, c'est attaqué en tant que on disait que son essai était raciste, bon, etc., alors qu'elle avait utilisé un collègue justement pour faire passer une opinion sur la littérature. Mais tout ça pour dire que est-ce que c'est pas le silence qui blesse davantage ou qui t'a blessé particulièrement plutôt que l'écriture ou les choses qu'on a pu dire par l'écriture? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, on dit que l'écrivain a peut-être plus sa place. Est-ce qu'on peut être blessé par l'écriture? Est-ce qu'on peut blesser par l'écriture? Mais est-ce que dans tout ça, s'il y avait vraiment un échange entre gens qui écrivent, puis je parle aussi à des gens, par exemple, ça pourrait être aussi des lecteurs qui écrivent dans les journaux, etc.,
il pourrait y avoir un vrai dialogue citoyen. Mais en tout cas, je reviens encore à ma question, mais après s'adresser à tout le monde. Est-ce que ce n'est pas le silence qui vous a, vous voyez, donc est-ce que ce n'est pas le silence qui vous a blessé, le silence des collègues, le silence d'un certain milieu intellectuel, etc.? Oui, absolument. C'est la non-capacité à arriver à un dialogue cohérent. Et c'est ce qu'on appelle en philosophie l'être pour autrui, c'est-à-dire que l'on devient l'objet d'autrui, l'objet de la subjectivité de tous les autrui. Et ça, c'est sûr que c'est très difficile. J'ai tout raconté ça pour ceux que ça intéresse dans ce livre-là, La leçon de Jérusalem, pour que ce soit bien fixé et que j'ai raconté comment existe cette situation du sujet étiquette qui s'empare de quelqu'un. Bon, moi, j'avais répondu à une invitation à une conférence pour parler des malaises entre les groupes ethniques. Et à ce moment-là, en 1993, le mot « ethnique » était un piège à ressort et ça change ce type de mot. Mais en ce moment-là, le mot « ethnique » était vraiment une trappe qui se refermait sur toute personne qui le prononçait. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je pense que j'étais en but à la subjectivité du lecteur, ça fait partie du risque de l'écriture. Et ce n'est pas donc cette intervention, ni même les accusations de racisme, bon, qui, évidemment, que je pense que la première liberté de l'écrivain est de ne jamais avouer quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est ce qu'a fait Socrate. Et je pense que c'est le modèle qu'il nous a donné. Donc, j'ai résisté et je résisterai toujours à cette accusation, mais ce qui m'a le plus blessée n'était pas ce malentendu, puisque finalement, je disais la même chose que la personne qui m'attaquait, mais le silence des gens autour de moi, oui, et qui était, selon moi, un manque de courage à prendre les mots pour ce qu'ils disent et à faire son rôle d'écrivain et à jouer son rôle d'intellectuel, qui est de rétablir le dialogue, quand il n'est pas respecté. C'est en ce sens que j'ai été blessée, oui, c'est vrai. Et c'est en ce sens qu'il y a des sujets interdits et ils ne sont pas toujours les plus clairement interdits. Un sujet interdit est toujours, et souvent, un sujet non seulement interdit, mais victime d'une omerta, de quelque chose qu'on ne peut pas dire. On ne pouvait pas dire certaines choses que j'ai dites là, cet petit essai malheureux pour moi. Ouais. Et pourquoi ces sujets ne sont-ils pas interdits, ne sont-ils pas toujours énoncés clairement, selon vous? Parce qu'ils sont cachés par les mots. Ils sont cachés par des mots que l'on ne prend plus la peine d'interroger. Ouais. En question d'interroger, il faut toujours nettoyer la langue de ces scories, de tout ce qui s'attache à... Et c'est ça le rôle de l'écriture, c'est ça le rôle de l'écrivain. C'est de revenir à... de raviver la langue. Et pour la raviver, il faut certainement avoir un rapport violent au langage convenu, qui est parlé tous les jours autour de nous. Et on a qu'à ouvrir la radio pour entendre... ce langage qui n'est pas un langage vivant, qui est un langage mort. Et l'écrivain est celui qui a cette fonction de redonner son oxygène à la langue, selon moi. Son rapport à la langue est unique dans une société. Il n'est pas un grammairien, il n'est pas un professeur, il est celui qui retravaille les mots dans les phrases et dans la langue elle-même. Comme un jardinier qui fait pousser les fleurs, disons.
Guillaume Asselin? Bien, si je peux me permettre, pour faire suite, effectivement, donc dans ce livre, La leçon de Jérusalem, vous tirez ce que vous appelez la leçon de Montréal. Et je trouve que vous avez là une formulation formidable sous le signe de laquelle on pourrait placer cette rencontre. Vous dites une phrase, je pense qu'on aurait avantage tous et toutes à méditer. Je vous cite, « Léguer des questions solidement construites et librement débattues est le meilleur héritage que nous puissions transmettre. » Ça me semble... Mais, oui. Stéphane Martelly, oui? Oui, j'ai commencé par en disant « mais ». Je crois qu'il est important parce que sinon, on va rentrer dans peut-être une situation personnelle qui s'est passée pour vous, Monique Larue, ou bien peut-être dans des questions assez spécifiques. Je crois qu'il est toujours important, quand on dit « nous », quand on dit « s'adresse », quand on dit « libère-violence », de toujours pointer qui parle et à qui cela s'adresse. Parce que sinon, nous énonçons des généralités, finalement, qui peut-être ont du mal à connecter avec tout ce qui se passe maintenant, certainement, mais qui ont l'avantage de garder dans l'ombre un peu celui qui énonce et puis celui à qui le propos s'adresse. Alors moi, je crois que c'est très important de contextualiser des choses. Et quand on parle de tout à l'heure, on parlait de dérangement, il y a des refus qui sont plus dérangeants que certains textes de 500 pages. Quand, par exemple, des artistes et militants afrodescendants se sont opposés à la pièce slave il y a quelque temps, c'était un refus vraiment dérangeant. Et peut-être c'était un refus qui permettait d'apercevoir qu'on parlait ici là de génocide d'une manière très légère et inappropriée. Voyez ? Mais cette notion de ressentir ce qui était représenté comme du génocide, ce ressenti-là n'a pas été possible avant que ces personnes disent non. Donc il y a des refus qui sont plus longs et plus importants que certains textes. Et quand on parle de violence, je suis toujours dans la prudence de comprendre de quelle violence on parle, d'où elle part et à qui elle s'adresse. Parce que sinon, on prononce des généralités qui ne nous renseignent pas tellement sur la littérature, il me semble. On a une question en ligne. Ça sera peut-être notre dernière question. Parce qu'on déborde, mais quand c'est intéressant, on déborde tout le temps. Alors, Monsieur Enzo demande, selon vous, les médias sociaux jouent-ils un rôle aujourd'hui dans le fait de rendre un sujet interdit? Qui veut répondre? Interdit pour qui et comment? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'interdiction. Je crois qu'il s'agisse tout simplement de pouvoir recevoir ce que certains sujets provoquent. Et parfois, on a l'impression que la réponse qui est étonnante, parce que ce n'est pas une réponse à laquelle on était habitué. On avait l'habitude d'avoir la parole à nous tout seul, tout le temps. Donc effectivement, quand une réponse est émise, et que cette réponse est une réponse de refus ou de rejet, comme c'est arrivé considérablement, on a parlé de MeToo tout à l'heure, on aurait pu parler de Black Lives Matter, on aurait pu parler de différents mouvements. Il faut s'apercevoir que chaque fois, il s'agit là de populations qui arrivent sur la scène, qu'on n'entendait pas avant, ce n'est pas qu'elles ne refusaient pas avant, c'était peut-être que leur refus n'était pas audible et que soudain il l'est et qu'on n'est pas habitué à s'entendre opposer une fait de non-recevoir. Et donc, quand on parle d'interdiction, j'ai plutôt l'impression que c'est une parole dissidente qui est de plus en plus interdite. Parce que chaque fois que finalement il y a eu un phénomène d'opposition ou de refus, on a plutôt l'impression que c'est ces personnes-là qui ont payé le prix fort et dont la parole est de plus en plus interdite. Mais bon. Les réseaux sociaux ont le dos large aussi, je trouve, dans ce genre de débat-là. Oui. On se dit c'est à cause des réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont fait en sorte qu'on ne peut plus rien dire. Je veux dire, les réseaux sociaux, c'est aussi le lieu dans lequel beaucoup d'opinions d'extrême droite sont publiés où on entend aussi des gens qui résistent à d'autres choses qu'on n'entendait pas aussi bruyamment auparavant. C'est juste un lieu bruyant, très présent dans notre vie, dans lequel on peut s'exprimer. Mais comme tu le dis, Stéphane, effectivement, moi, je pense que ces opinions-là existaient, ces résistances-là existaient avant. C'est juste que là, on les entend. Moi, je n'ai pas souvent vu dans les réseaux sociaux des gens appelés à l'interdiction. Je pense que j'ai surtout vu des gens appeler à l'engagement et à la responsabilité des choses qu'on dit et qu'on écrit et qu'on publie.
mais interdiction, c'est très rare que j'ai vu ça. La plupart des gens, de toute façon, qui écrivent des choses sur les réseaux sociaux n'ont pas le pouvoir, de toute façon, d'interdire quoi que ce soit. C'est penser vraiment que les gens ont beaucoup de pouvoir. Je ne pense pas qu'ils en ont à ce point-là. Les gens, oui, c'est ça, qui critiquent. On appelle ça des critiques. Et, tout le monde est faillible et aussi tout le monde doit, à mon avis, être critique de soi-même. Là, donc. Mais le problème des réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas plutôt donc, structurel, c'est-à-dire ce phénomène de chambre d'écho qui fait qu'on a une espèce de ghettoisation rampante où chacun s'enferme dans son point de vue et se campe sur des positions extrêmement durcies. Vous voulez dire le Parlement? Non, mais je veux dire, il y a toutes sortes de chambres d'écho, de micro-communautés qui parlent de leur point de vue, légitimes, illégitimes. Chacun a donc son opinion là-dessus, mais il n'y a pas donc ce dialogue, effectivement, qui permettrait de passer, disons, la barrière, l'écran des certitudes que chacun croit avoir, la légitimité, qu'on soit du point de vue de la majorité, de la minorité. Il me semble qu'il y a, comment dire, une espèce de transposition de cette structure-là qui est propre au départ aux réseaux sociaux, jusque dans l'espace social. Et il y a toutes sortes d'études, effectivement, qui laissent présager, enfin, qui s'inquiètent du fait que ça peut éventuellement mener à une guerre civile de poursuivre ce genre de cloisonnement, de pensée en silo. Est-ce que c'est pas ça le problème des réseaux sociaux, fondamentalement? C'est possible, mais bon, les dernières études ont surtout prouvé qu'effectivement, comme le signalait Nicolas Dawson, la pensée qui est le plus propagée, malheureusement, sur les réseaux sociaux, c'est la pensée de droite. Et donc, c'est une pensée, en fait, qui, en se propageant, nie la possibilité d'autres pensées de s'exprimer. Hein? C'est un peu son mouvement paradoxal, c'est-à-dire en disant qu'elle ne peut plus s'exprimer, s'exprime en prenant toute la place, en effaçant le plus possible les autres voix qui essaient de s'exprimer. Donc oui, l'effet de silo est réel, il n'est peut-être pas celui qu'on croit apercevoir. Et puis, dans le dialogue, il y a aussi l'écoute qui est importante. C'est-à-dire qu'un dialogue, ce n'est pas seulement mettre tous les discours sous une modalité de fausse équivalence, mais c'est aussi permettre que le pouvoir soit partagé entre ceux qui peuvent s'exprimer et puis ceux qui écoutent parfois, mm-hmm. au lieu de sans cesse s'exprimer. Mm-hmm. Oui. Mais Monique Larue a dit une chose intéressante tout à l'heure quand elle parlait du travail de l'écrivain par rapport à la langue, du travail de l'écrivaine par rapport à la langue. Et en ce faisant, elle rencontre quelque chose que Toni Morrison elle-même disait, que précisément la langue totalitaire, c'est la langue qui fige les choses. Tandis que la langue de l'écriture, au contraire, c'est elle qui complexifie. Mais maintenant, chaque fois, il faut se demander quelle complexité et quelle fixation. Et puis, le phénomène est changeant, et, c'est-à-dire est dynamique. Il est toujours en train de... Oui, les lignes sont toujours en train de bouger. Oui, oui précisément. Oui. Il faut espérer que la langue continue de bouger, mais qu'elle bouge vraiment, pas qu'elle prétende bouger en fixant les choses telles qu'elles ont toujours été. Oui. Ben, vous savez que le temps passe. Alors malheureusement, provisoirement, il va falloir arrêter cette conversation. Je remercie le public par ses questions, on voit qu'il était à l'écoute. Je crois qu'on a assisté à un dialogue, n'est-ce pas? Un véritable dialogue ce soir. Je remercie les participants, donc Monique Larue, Jean Sioui, Nicolas Dawson, Stéphane Martelly et Guillaume Masselin, modérateur du groupe. Je remercie les partenaires, les équipes techniques de BANQ, de l'Académie des lettres du Québec, de Métropolis Bleue et du Salon du livre de Montréal. Je vous invite bien sûr à prolonger l'échange en lisant les ouvrages des participants, écrivains de ce soir, on les a mentionnés tout à l'heure, et aussi à nous retrouver pour la seconde rencontre littéraire de l'Académie des lettres du Québec. Il y en a deux par année, là c'était la première, celle de l'automne, il y en a une autre au printemps 2022 qui nous attend, les détails donc au cours des prochains mois. Bonne soirée à tous, encore merci.